Soyez tous et toutes ici, chez vous, dans cette maison de prière, si ancienne et si belle. Cette abbatiale de Tournu, qui a vu tant et tant de fidèles chrétiens, de catéchumènes, venir ici gratuitement louer le Dieu Père du ciel et de la terre, par son Fils Jésus, dans l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses. Merci beaucoup, frères et sœurs, d'être venus nombreux ce soir ici. Merci bien sûr aux frères prêtres. La plupart, nous avons passé déjà une journée d'amitié et de fraternité ensemble ici. Merci au Père Binon de nous accueillir dans la paroisse dont il a maintenant la charge ici. Entrons avec bonheur dans cette célébration de l'Esprit Saint. Oh.
sa consécration. Accorde-nous d'être dans le monde des témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordé par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ.
le témoin fidèle, le premier-né du monde, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec nous tuer. Tout œil le verra, et nous verrons ce qu'il en transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Lui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
Nous en prions dans le carême, parce que 40 jours, pour jeûner de ce qui ne rassasie pas, pour apprendre à avoir faim de ce qui vient de Dieu. Nous avons éprouvé en nous-mêmes combien sa parole ne lui revenait pas sans avoir accompli sa mission. Nous étions également, au début du carême, dans une immense gratitude de voir se lever des catéchumènes au terme du temps de préparation nécessaire, plusieurs sont parmi nous ce soir, pour entrer avec eux dans la purification, le temps de l'illumination, en vue de cette plongée salvifique dans l'eau de la mort du Christ et sa résurrection, plongée baptismale dans laquelle ils entreront les jours prochains à Pâques, ce soir, au cours de cette messe chrismale qui est si bonne à vivre chaque année. À quelques jours de Pâques, nous suivons dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus, aussitôt après le temps du désert et de la tentation. Et nous le voyons dans la puissance de l'Esprit Saint venir à Nazareth où il avait été élevé. Nous le voyons se joindre aux pratiquants qui se réunissaient régulièrement à la synagogue. La synagogue, le mot fait penser à synode, c'est presque le même mot. C'est le lieu où, littéralement, on apprend la manière de vivre ensemble. Le lieu où les croyants juifs se rassemblent pour la prière, pour l'écoute de la parole de Dieu. Et ils l'apprennent dans l'écoute communautaire de cette parole. Tout spécialement le jour du Shabbat, jour consacré à la prière, au repos et à la joie communautaire, à commencer par la joie familiale. Remarquons ici que Jésus est pratiquant, pratiquant sincère, pratiquant éclairé, pratiquant heureux de la liturgie juive. Il est celui modèle indépassable de la pratique de la foi du peuple élu. Il est celui qui accomplit pleinement la promesse faite jadis au patriarche de la première alliance. Quelle belle méditation que celle de deviner sa joie de revenir adulte dans le lieu il a grandi depuis son enfance. Il a grandi, dit le même saint Luc en taille, en sagesse et en esprit, devant Dieu et devant les hommes. Être avec les autres, sous l'autorité lumineuse et salvatrice de Dieu, voilà ce qui est ce soir encore le motif pour nous d'une profonde joie. Être ensemble, rassemblés, au nom de celui qui est la source de toute paternité, par son enfant bien-aimé Jésus, dans le souffle admirable et joyeux de leur esprit commun, voilà l'Église. Voilà l'Église en train de renaître. Voilà l'Église en train de se recevoir mieux pour être envoyée comme Jésus lui-même dans le monde, pas à côté du monde, pas par-dessus le monde. L'Église n'est pas envoyée dans une zone réservée à certains, protégée de quelques croyants qui restent un petit peu à l'écart de certaines difficultés du monde. Non, elle n'est pas envoyée à côté des conflits, des souffrances. Elle est envoyée au cœur des déchirures du monde, déchirures causées par tant de malheurs qu'il n'est pas nécessaire ici d'énumérer.
Elle est en elle-même, cette Église, témoin de ce que la parole de Dieu accomplit vraiment. Il est, lui seul, Jésus, le véritable lecteur de l'histoire sainte, où Dieu agit, où Dieu parle aux humbles. Il est, lui, Jésus, le véritable interprète, celui en qui nous déchiffrons patiemment notre propre histoire. Nous l'avons fait ce matin un moment avec les prêtres, les diacres, les épouses de diacres et les séminaristes, quand nous avons pris le temps de méditer aussi un autre passage de l'Évangile. Il est le témoin fidèle, comme le dit le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le dévoilement, dont nous entendons ce soir le début en deuxième lecture. Avec lui, par lui et en lui, nous recevons le même esprit qui nous fait goûter la joie de la parole de Dieu accueillie. S'accomplit pour ceux qui l'entendent. Cet esprit était déjà annoncé par le prophète Isaïe, annoncé aux serviteurs fidèles qui entendaient « Le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Et pourquoi donc? Pour dire l'Évangile aux âmes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délier les liens injustes. Comme nous la comprenons bien, cette mission de l'envoyé de Dieu, tellement il est vrai que nous savons d'expérience, hélas, la vanité de tant de paroles creuses, vides, qui ne sont pas tenues. Nous savons d'expérience l'immense détresse de ne pas aimer, l'immense détresse de ne plus croire l'amour de Dieu ni celui des autres. Nous savons d'expérience ce que veut dire ne pas être réconforté dans la nuit du doute et dans la mort. Nous savons d'expérience aussi combien le monde tout entier, pas seulement les croyants, aspire à voir sa tristesse se changer en joie, à voir et à sentir le parfum de la fête véritable en lieu et place de l'odeur nauséabonde des querelles éternelles aux enfants, en lieu et place des pensées superficielles et égoïstes, etc. Oh oui, et du coup, comme elle est actuelle, cette prière de David, loin du Seigneur, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Affermis au fond de moi mon esprit. Renouvelle-le. La mission de l'envoyé de Dieu est reçue dans l'assemblée, dans le peuple convoqué par Dieu, pour vivre ce qui ne vient pas de la pensée des hommes, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, Jésus lui-même, se levant dans la synagogue, se met à l'écoute de son Père. Et dans l'Esprit Saint, il relit, il refait lecture pour les siens, il aime bien sûr sa synagogue, sa ville, et pour lui-même. Quel mystère de penser que le Verbe éternel commence son enseignement en faisant lui-même lection divine, si j'ose dire. C'est d'ailleurs une méditation qui resterait à faire, de méditer que les silences de Jésus ne sont pas des silences de retrait du monde, mais des silences d'écoute, des silences amoureux. Dans la synagogue donc de Nazareth, comme aujourd'hui dans l'église en prière, comme ce soir au cours de cette messe chrismale, la parole s'accomplit vraiment parce que la même puissance en laquelle Jésus a guéri, libéré, appelé à sa suite, cette même puissance se déploie dans les sacrements de l'Église. Cette même puissance s'accomplit dans le baptême qui fait renaître. Cette même puissance s'accomplit dans la confirmation qui met en nous le baume du salut. Elle s'accomplit dans le pain eucharistique pour la route, corps et sang de celui qui a pris chair vraiment pour nous, de la Vierge Marie.
Elle s'accomplit dans la libération opérée par le pardon, dans l'onction qui institue les évêques, les prêtres et les diables au service du club sacerdotal, dans l'échange des écus, recevant dans leur amour la grâce d'être témoins de la belle fidélité de Dieu. Cette puissance la même s'accomplit dans le réconfort des malades, dans le réconfort de ceux qui sont au milieu du monde, signe de la puissance de Dieu, à recevoir mystérieusement dans la faiblesse elle-même. Dans la douceur et la force de l'Esprit par lequel Jésus s'est levé d'entre les morts, après avoir subi pour nous librement la mort sur la croix. Dans ce même esprit, nous prions ce soir pour que les sacrements continuent d'être célébrés avec foi pour le salut du monde. Nous prions pour que chacun et chacune de nous soit renouvelé en profondeur, réconcilié avec Dieu et les frères, prêts à se lever pour aller plus loin, là où Jésus lui-même est passé en faisant le bien, en guérissant, et en donnant accès à la joie qui ne sera plus jamais enlevée. Amen. Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ,
et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Thank you.
Voici l'huile qui deviendra le sacré. Voici l'huile qui deviendra l'huile des malades. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père puissant. Dans la bienveillance, Seigneur, et que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut dans le Christ notre Seigneur. Il le fortifie.
choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image. Ton amitié, par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, organise les offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance. Vous ferez
Il est grand le mystère de la foi. Deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très saint, très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par l'onction, Dieu très saint, tu nous consacres. Ton esprit nous imprègne tout entier. Le Seigneur nous fait vivre de sa Pâque. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Gloire à toi pour nos cœurs transfigurés. Par l'huile sainte sur nos corps, tu rends vigueur et tu relèves.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Puissance et la gloire.
as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
nous avons goûté à la coupe de bénédiction, le sang précieux du Christ Sauveur. Good.
Prions. Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu crées l'huile, symbole de vigueur. Fais-le bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément l'évangile et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendu capable de devenir des fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage aux gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement du monde, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne vie.
servirait à faire le sacre. C'est ainsi que David, l'entrevoyant, sous l'inspiration prophétique, les sacrements de ta grâce, a chanté que cette ville ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde exilait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de Dieu bienfaisant, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne un message de la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescris à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il ne consacre par l'onction de ce parfum. Mais si de plus encore, lorsque ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie, comme aucun de ses semblables. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de sacré, pénètre l'or de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne l'once des saints qui renaissent par l'eau du baptême, le signe sacramentaire du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de la volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qu'il les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'issue de cette messe chrismale,
nous demandons que nous prions pour l'une d'entre nous qui est envoyée en mission avec la délégation catholique pour la coopération au mois de mai prochain dans le village de Taïbé, en Terre Sainte. Si elle est parmi nous, qu'elle s'approche. Thérèse de Kerkaré. Là, Thérèse, vous êtes donc envoyée en mission dans ce pays si important et si souffrant, la terre où Jésus lui-même a marché, souffert, guéri, et dans ce village tellement important de Taïbé. Vous allez particulièrement servir un foyer pour personnes âgées qui a été créé il y a environ 15 ans par le patriarche à l'Atlas de Jérusalem pour accueillir en particulier les anciens paroissiens de Ramallah et des régions environnantes. Et vous serez auprès de sœurs de l'Institut Serviteur du Seigneur et de la Vierge de Matara. Voilà, nous prions pour vous et avec Charles de Foucault qui a passé journée aussi dans ce village. Nous demandons pour vous les grâces nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Prions. Père très saint, te prions maintenant pour Thérèse, ta servante, que nous envoyons au service de ton Église. Que ta main dirige ses pas, que la puissance de ta grâce fortifie son cœur, pour que dans sa parole résonne la voix du Christ. Répands dans son cœur ton Esprit Saint pour qu'elle te serve avec joie dans la tâche qui lui est confiée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Faites-le savoir.
journal veut y aider, donc prenez-le pour vous et pour d'autres encore. Enfin, je termine pour les JLJ, pour aider les jeunes à partir, nous vendons un peu de vin au fond de l'abbaye. Si chacun de vous achète une bouteille, non seulement les stocks seront définitivement épuisés, ça sera une bonne nouvelle, mais en plus nous aurons suffisamment de fonds pour aider chacun. Merci de votre générosité, vous pouvez régler de toutes les manières possibles. Tout est accepté. Grand merci. Sans être long, je veux ne pas terminer cette célébration sans remercier du fond du cœur toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui se sont impliquées pour la préparation et le bon déroulement de cette journée. Merci aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes, aux musiciens, Gérard Boudet, qui vous invite à l'ordre en ascension, enseignez-vous. Merci à ceux qui ont servi, merci à tous ceux qui ont préparé les salles, fait le ménage, préparé la liturgie, à ceux qui ont fait chanter. Merci, merci, merci. Chacun a sa place dans l'Église, il n'est permis à personne de déserter, d'être spectateur ou commentateur de l'action. Nous comptons sur chacune et chacun de vous, quel que soit notre âge. Dans la paix et la joie du Christ. Amen.